le monde! Et voilà, une belle journée Access Bars encore aujourd'hui. Et du coup, on voulait demander un petit peu aux participants ce qu'ils ont retenu de la journée, comment ça a été pour eux, s'ils ont aimé, ce que ça leur a apporté. Il y en a certains, c'était leur deuxième journée, donc pourquoi ils ont refait une deuxième? Qu'est-ce qui a changé pour eux déjà depuis la première journée? Et tout ça en images ou en son. Qui veut parler au premier? Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, cette journée Éprouvante journée, très dure, physiquement. Ouais. Très sérieuse, on n'a pas beaucoup de temps. Bon, c'est 5 heures là, il est temps d'y aller. Ouais. Hein. super journée, très agréable. Et justement, on ne l'a pas vu passer, et c'était super. Quand on est venu. Ouais. Cool. Ça a été un humanoïde de dernière minute, il s'est rajouté ce matin. Ça a été la surprise de la journée. En plus, un homme, quel bonheur! Comment ça devient mieux? Merci. Merci. Bonjour madame. Oui, bonjour. Ah bah, écoute, ça s'est très bien passé. Ouais. J'ai passé un très bon moment, riche en émotions et en déblocage. Et voilà, maintenant on est complètement barré. Yes! Débarré de plus, merci. Bonjour monsieur. Et bonjour. Alors c'était votre 10e journée, je crois. Pas loin, oui, 10e journée, oui. Ça a été une belle journée de partage et d'échange avec tout le monde. Et on s'est bien éclaté. Merci à vous. Merci. Tu veux parler? Alors, ce sera une anonyme. Ah, une anonyme. Tu veux? Je veux bien être anonyme. Je veux bien être anonyme. Ah, oui, soyons anonymes. Elle est anonyme. Je suis anonyme. Alors? Alors l'anonyme, c'est la deuxième fois qu'elle fait sa journée de formation. C'est voilà, un bonheur avec beaucoup de légèreté d'aller chercher dans on ne sait où d'ailleurs l'univers en soi, en l'autre, toutes les limitations, plein de choses qui paraissaient super compliquées dont j'avais pas forcément conscience. Et puis là, il y a des choses beaucoup plus légères, donc c'est très sympa. Et puis voilà, j'avais déjà vu l'effet à la première formation. Les relations familiales, avec les amis, avec soi-même, avec l'univers, les éléments. Donc voilà, ça continue, c'est une super aventure, de belles rencontres. Et voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres. Yeah, que faudrait-il pour ça? Je peux te redemander les partages que tu as fait tout à l'heure sur la voiture, que tu supportais pas de lire en voiture, les trucs comme ça. Bien sûr, j'ai mal au cœur en voiture. C'est moi, j'ai mal au cœur en voiture. Et en fait, c'est ma fille qui fait la conduite accompagnée et qui me fait remarquer que j'étais en train de lire en voiture. Et je dis, ben non, moi je ne lis pas en voiture puisque j'ai mal au cœur. Et en fait, ben oui. À ce moment-là, je me rends compte que je lis en voiture. Donc, je n'ai plus mal au cœur en voiture. Je peux lire. Et c'est léger. Et le vertige aussi, tu nous as dit. Voilà, quand je monte sur une échelle, mais en fait sur une chaise. La chaise tremble habituellement. Et là, ben maintenant, je monte sur le toit. Et ma foi... C'est une sacrée magicienne, une très belle magicienne, même si elle reste anonyme et qu'on ne la verra pas sur cette vidéo. Merci pour ton partage. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire quelque chose, même sans être vu? Même sans être Merci vu. Merci d'être venu. Merci à tous. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter, Jessica ou moi. On organise des journées de formation régulièrement et on vous accueillera avec grand plaisir. Est-ce que tu voulais dire quelque chose? Non. Merci. À bientôt.